Iruse de truba per iu edicio de Nundes extra fresca qui esperi agradibe partagiada. En Nundes, iu emisio de Dumenge Lecciona sus internet den lu blog Hadiu, direccio hadiu.eu et tabe sus la vostra radio en modulacio de frequenzi sus Pireneus Radio, Radio Santa Africa, Radio Verdon, sus web per Hapshot Radio ou Radio Kappa Kapp et en DAB sus Bordeaux et conurbacio d'ab Radio No Culture, Gure Culturac, Cultures Nostes. Merci à Radio Clé des Ondes pour la nouvelle diffusion. Despuche abriu que sera le 13e sujet que perpausi sur l'hypothétique graver de Daniel DPL à Cassavé, en Béarn de Cabbati, en Terre Salias et Sorda. Nous pensavi pas briga ha arre à queste cop stan bertader mendehens. Que pespliqui d'un parli per lo reportage a quet a tau tout que sera cla. Que sou aderent a la sepanso despuch lo comensa d'abriu de 2021. E aquest comensa d'abriu de 2021 que tiengu lo primer encontre informatiu alentour d'aquest projecte de gravera com un monstre du Loch Ness qui dure despuch 5-6 ans dans la rivière de Cassavet. Tabe que sou presidenta elegida au sort et assumide d'ensemble pour demain à Massesperduma, une association salière créée à run les élections municipales pour perseguir le travail commencé d'appeler l'égide Nicolas Benegui et qui m'accompagnait et à queste 15 de mai à Cassavet pour pausas à la gravère Daniel. Et puis, que se trouve que sou sympathisante à l'encob d'en pleine vue, comme ta plat d'Harry Cooket. À tau, las présentations que sont heites. Ce que m'hazou cambia d'idea et ha ce qui perpausi à dar, qu'ei d'embremba à queste guyat, et qui m'bede filma et qui m'apostrophe, qui m'demande si passava en directe. A tant per tant n'abusem los meians dat ha passa en directe et que serait a meritat d'estar en directe, plas solide sus tous los medias de nuste. Et nous, nat car regia au punt de guat a Cassavé a queste 15 de mai. En mestiu de media quem dins un estat de colonisation que da lo verdigo vertaderment. A la vez a queste cop que per pausi, et à las radios qui me diffusent tave, une forme mei avançade de ce qui bouleria, une espèce de reportage qui nous sia ni radio exactement, ni vidéo, ni diaporama, et à boucle à la boucle, ni prince scriute. Un hybride multimédia en progrès. Le tribail qui est d'appui téléphonette et donc qui perdonnera les imperfections techniques et merci aux qui aniran au cap d'aquest sujet. Dans aquest reportage, n'a d'intervise spécifique son captation de son et d'image, en purement captation en compagnie de Michel Rhodes de la Cepenso et après d'André Courage de l'association foncière des remembrements. C'est pire puisque on passerait pendant un kilomètre en plein Natura 2000 alors qu'il n'y a pas d'étude d'incidence et ça ne passera jamais au tribunal administratif. Donc il est coincé et d'autre part, l'arrêté du 26 janvier dernier l'oblige à déposer à la préfecture la liste de tous les riverains qui sont d'accord et qui signent. Et pour le moment, on est désolé, mais il n'a pas l'accord ni de tous les riverains membres de l'AFR, ni l'accord de l'AFR et de la mairie de Sort-de-l'Abbaye. Alors, je passe sur les tentatives d'intimidation du préfet de Pau qui envoie la sous-préfète chez la maire de Sort-de-l'Abbaye, qui envoie le sous-préfet de Pau chez le maire de Carès pour faire pression. Tout ça est invraisemblable. Et en réalité, ils sont complètement hors des clous, hors la loi. 40 pages, 40 pièces à conviction. L'autre recours qu'on a
refait, parce qu'il y a eu trois mémoires, parce qu'on se répond avec les avocats de Daniel. Il y en avait aussi 60 pages. Et les enjeux, c'est quoi? Alors, pour les agriculteurs ici, l'enjeu numéro un, c'est la nappe phréatique qui peut monter et qui peut surtout baisser et qui peut mettre à sec l'irrigation indispensable pour un certain nombre de cultures de très haute valeur ajoutée, comme les kiwis. J'espère que parmi d'entre vous, il y a des RG, des renseignements généraux. Ils peuvent prendre des notes. Ils peuvent prendre des notes, c'est pas un problème. Alors, l'affaire Daniel, elle a commencé il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, Daniel ne s'est pas interrogé comment il allait fonctionner, comment il allait communiquer à l'extérieur, notamment quel chemin il allait prendre, à qui appartenait ce chemin, quel type de véhicule passait sur ces chemins. Rien. Il y a quelques années, il a réussi à décrocher un accord du maire. Cet accord, il lui donnait l'accord de passer sur le chemin sous la route. Alors, il faut savoir que la mairie n'est pas propriétaire de ces chemins. Ces chemins appartiennent à l'AFR, dont l'AFR est la seule compétente pour agir sur ces chemins. Donc, dans le premier arrêté préfectoral, le préfet a un document juridique qui n'a pas lieu d'être. Donc, ensuite, on a laissé venir, on l'a vu rien venir, on s'est dit quand même il va bouger, c'est à lui à bouger. Il a communiqué avec nous par des lettres recommandées d'un cabinet d'avocats. Voilà. Alors vous savez que dans toute relation humaine, quand vous voulez négocier de gré à gré, il faut respecter, il faut se respecter. Les deux parties doivent se respecter dans un climat de confiance, en mairie. Alors, là c'était épique aussi. Le secrétaire général, voilà, qui nous déblate sur la sortie autoroutière. Bon, on lui a dit, écoutez monsieur, nous on n'est pas compétents en sortie autoroutière, on est compétents sur la gravière. Sortie autoroutière, c'est notre sujet. Vous faites ou vous faites pas, c'est pas notre problème. Nous, on est venu ici pour parler de la gravière. Bon. Et dans cette réunion, on est allé donc dans le cœur du sujet. On a demandé à monsieur Daniel, écoutez monsieur Daniel, vous allez nous calculer le nombre de camions qui passeraient tous les jours sur ce chemin, qui nous appartient. Il lui a fallu 4 minutes ou 5 minutes pour calculer le nombre de camions qui passaient sur ce chemin. Moi, il me donnait l'impression qu'il était dans le prêt-à-porter ou dans l'alimentaire. Et je fais remarquer au secrétaire général, ils étaient tous à leur calculette. Hein. Ils oubliaient, par exemple, de recalculer, de compter les camions qui allaient revenir à vide. Bah, et ça peut arriver, hein, dans l'émotion, je ne sais pas quoi. Donc, c'était épique. Et dans cette réunion, j'ai dit au préfet, mais regardez, même ils refont le pont de droite, ils nous mettent en cause s'il y a un problème. Alors le préfet, le secrétaire général dit à Daniel, non mais ça va pas, changez ça. Bien sûr, il n'a jamais changé, peu importe. Bon. Et dans cette réunion, comment a terminé cette réunion? Le secrétaire général a dit, écoutez messieurs, essayez de vous mettre d'accord, il s'adressait à Daniel et à moi, je représentais l'AFR, hein, voilà. Si vous êtes d'accord, l'AFR, la gravière se fera et la sortie autoroutière se fera. Si vous n'êtes pas d'accord, la gravière ne se fera pas et la sortie autoroutière ne se fera pas. C'est ce qu'il a dit en partant. Bon, il vient et puis on lui dit, écoutez, monsieur, vous vous installez, mais vous nous faites prendre des risques. Et ces risques, vous les assumez complètement. Plancha da Peret, Caroline Dufau, l'unau de mai a sali es que portava la pancarte écosystème méprisé. Era, vos, you, tout le monde que forman part, enfin tout le monde qui sien homis hemnes, mainat subieis, que forman part du écosystème d'un non se podem abali. Natura, écosystème, que sont idees naientes probables que sem los humans per parlar de la relation qu'abem au bio, au nustentur. Et podem creder, com s'ad brembab Caroline la semana passada, qu'im pausaram que si a l'environnement en lo qual hem inscriuts e inscriutes. Beharam dab, c'est ça respondut. La question qu'ei de saber quan ei que restaram, quan ei que repararam las bestiesses, se volem las generacions de petits homis e de hemnotes a inu futur. Yeah.
Atau que s'acaba aquesta reportatge a entrades multiples, en paraules, en imatges, en música, sustut en humanitat, e perquè passe en documentació. Mercès aos organizatus d'en plein envu e aos quau se dan la mà a aquest cop a Ricouquet d'haver escadut la joga e mercès a las mei de 300 persones, totes generacions conjunides que participen a aquest 15 de mai a Casabé a Birra de la Ribera, du Gaba e de la Bita du Monde e o graber pillatge de Huns Naturaus qui han a estas de Hora de la Ribera, de Hora du Gaba. Las musiques de Nundes, Auguste Pumé, Branlo Dausau, musique populaire en Bita de la Ribera de Sempe, executat en Biu a moment du seguici un anem planta los espaurugais com autantes hantaumes dins aquesta ribera, espaurugais qui guaitaran.